Hello, bonjour à tous, bienvenue, c'est l'ours au micro. On se retrouve pour la suite des aventures de Métro. Pour rappel, en période de confinement, je me suis un peu perdu sur internet, j'étais tombé sur une vidéo de présentation de Métro Exodus, donc le dernier opus de la série, qui était faite par Jean-Baptiste Chaud, et en fait j'ai vachement accroché au scénario, à l'ambiance globale du jeu, et je me suis rappelé surtout que j'avais acheté il y a très très longtemps le Métro 2033. Enfin, en fait je l'avais pas acheté, je l'avais eu en code en achetant une carte graphique. Et je l'avais jamais fait pour diverses raisons. J'avais pas accroché à la jouabilité. Ça a été ultra ultra réfractaire au bout de 20 minutes de jeu. Quand je l'ai retrouvé sur Steam, en fait, le jeu est marqué comme quoi j'avais joué que 20 minutes. Effectivement, si vous avez regardé la série, bah, vous vous rendrez compte que cette jouabilité est vraiment médiocre, voire à chier, et peut-être complètement dégoûtante quand on commence le jeu. Et surtout, à l'époque, même si je l'avais acheté, même si je l'avais eu, pardon, avec une carte graphique qui était, je pense, plutôt assez haut de gamme, et ça galérait beaucoup. Il faut savoir que Métro, à l'époque, torturait quand même pas mal les configs. Et du coup, je l'avais jamais fait. Donc, je l'ai fait récemment, j'ai fait la série complète. Vous pourrez trouver un lien quelque part qui risque de s'afficher. Sinon, vous allez directement sur la chaîne, vous fouillez dans les vidéos. Ça fait partie des dernières vidéos que j'ai fait. Et j'ai profité des nombreuses promotions qui existent en ce moment pendant cette période de confinement pour acheter le pack complet de Métro. Donc les Métros, en fait, il y en a trois. Il y a Métro 2033. Si vous voyez qu'il y a écrit Redux, en fait, en dessous, c'est juste qu'il était refait, remasterisé. Donc moi, celui que j'ai fait, c'était pas le Redux. Ensuite, il y a Métro Last Night, Métro 2, entre guillemets. Donc c'est celui qu'on va faire là ensemble, qu'on va commencer ensemble aujourd'hui. Et Métro Exodus, puis le Season Pass. Parce que bah, depuis, forcément, est venu la mode, on va dire, des DLC, des Season Pass, etc. etc. Donc j'ai profité d'une promo qu'il y avait sur Steam, où en fait vous achetiez tout le bundle complet pour 40 euros. Donc on va dire que je pense qu'il y a environ une 20-25 heures de jeu pour 40 balles, c'est à peu près honnête, quoi. C'est pas... Et surtout l'ambiance, en fait, qui m'attirait dans le jeu, même si j'espère, en tout cas sur ce deuxième opus, que la jouabilité aurait été elle aussi améliorée. Donc je vais lancer le jeu sans plus attendre et puis on va pouvoir se faire ça ensemble. Ça marche pas. Et ça marche. C'est le temps que ça vienne. J'aime vraiment l'univers, la musique met vraiment dans l'ambiance, le truc post-apo, un peu. Ça vient avec la période du moment, le Stay at Home, quoi, concrètement. New game, hein, pour nous. Je démarre complètement ce jeu. Je vais régler la sensibilité de la souris. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah d'accord, donc déjà il y a une bonne chose, on peut faire en mode survie ou en mode Spartan. Je suis pas forcément en mode survie, donc on va faire en mode un peu bourrin. Il n'y a pas du... Juste par contre, je vois que c'est pas du français. Faire du mode bourrin, on n'est pas là pour ça, jeu de PGM. Normal, on est là pour le scénario, on n'est pas là pour galérer vu la jouabilité de merde du premier perso. Les sombres sont venues bien plus tard, depuis les jardins. Les sombres, immenses, je me permets de dépassant d'une tête l'homme le plus grand. Je vous invite vraiment à regarder la des première créatures série de cauchemar, aussi laides que des hommes éventrés,
Des monstres nés pour nous détruire. On disait qu'ils étaient si forts et si redoutables qu'ils pouvaient déchiqueter des hommes à main nue. Joseph. Tout était faux. La vérité est plus terrible encore. J'habitais le coin avant. Enfin, avant la guerre. Là-haut. J'étais dans le train quand c'est arrivé. J'ai tenté d'appeler ma famille, mais j'ai pas pu les joindre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça met dans l'ambiance directe. Allez, go, go, go. Oh putain, ça va être scripté comme le premier. Je peux rien faire tant qu'ils font rien. Merde, je tue mes potes en fait. Je suis obligé, c'est mon but. C'est moche. J'adore cette ambiance. J'ai des frissons en fait quand il faut. Je sais pas si vous ressentirez ça en regardant, mais j'adore cette ambiance. On dirait un petit peu le Predator, mais c'est ça. Artyom, debout. Artyom, c'est moi, Khan. Des cauchemars, hein? Pas étonnant avec tout ce que t'as vécu. Écoute, j'ai des nouvelles incroyables. Il y a quelques jours, j'étais près des ruines du repère des sombres, et j'en ai vu un encore en vie. Je me suis mis à ta recherche parce que c'est toi qu'ils ont tenté de contacter, avant que tu lances les missiles contre eux. Ça vous rappelle un petit peu la fin du scénario. Tire-toi, vite! Oui, Ullman, une seconde. Si un sombre a survécu, tu dois absolument lui parler, Artyom. Maintenant que t'es dans l'ordre, tu obéis à Melnik. Mais on doit le persuader d'autoriser cette mission. Khan, je t'ai dit de dégager. C'est une base secrète ici. Tu devrais même pas être là. Je t'amène au colonel Melnik. Suis-moi, Artyom. Voilà, j'attendais qu'il finisse de parler. Prépare-toi, Artyom. Je t'attends à la sortie. On se dépêche, pipelette. J'attendais qu'il finisse de parler pour vous reprendre, en fait, la fin. Ouais, faut que j'arrête de fumer aussi. La fin en fait du premier opus où en vérité vous avez deux fins possibles en fonction de... J'ai vu ça par la suite, ça apparaît pas dans ma série. En fonction du bien ou du mal que vous ayez fait durant votre partie. Soit à la fin vous balancez effectivement les missiles nucléaires sur la zone où il y a les ombres, où il y a les sombres pardon. Soit bah, vous détruisez... Regardez la première série, je vais pas vous spoiler. Soit vous détruisez le pointeur laser et du coup vous avez une autre fin et vous rentrez pote avec les sombres. Mais je pense c'est un peu dommage parce que du coup je pense pas qu'il y ait une suite en fonction de comment on réagit. Mais bon, faut faire la gratte, c'est bien. La musique est toujours aussi chiante, c'est bien. Et on va éteindre la lumière, on va éteindre les électricités. D6, c'est un endroit bizarre. Je savais pas qu'ils faisaient des bunkers aussi grands. On raconte que la construite. Salut Artyom. Ah, Artyom, je veux bien aller voir. Ils ont trouvé le D6. Ils lui ont filé l'insigne de Ranger directement. C'est cool pour lui. Moi, j'ai dû passer 2 ans comme cadet avant qu'il m'accepte dans l'ordre. T'as ouais, perdu un truc, enfin, toi. On en était où? Les D6 les a sauvés? Non, ils ont pas pu arriver à temps. C'est resté comme ça 30 ans. Allez, 5 carrés de drogue supplémentaire. Regardez-moi ces deux bleus. Minable. Pas étonnant que le colonel ait doublé l'entraînement. Il est sorti la semaine dernière. Son escouade a été envoyée à la base de l'église à travers les marais. Et Romanov est le seul à s'en être utilisé. Ma gueule. Tous les hommes sont morts. Salut Artyom. Bienvenue à l'arsenal. Paraît que t'es un ranger maintenant. Faudra qu'on prenne un verre pour fêter ça. Pareil. Pour l'instant, on va t'équiper. Bon, procédons par ordre. Tu vas avoir besoin d'un masque à gaz.
On peut pas faire un pas à la surface sans masque à gaz. Ça fait 20 ans, et les radiations sont toujours assez fortes à certains endroits pour faire bouillir de l'eau. Pas faire moins de bruit, là-bas. N'oublie pas les filtres pour le masque. C'est sûr que le masque est cool même sans filtre, mais c'est meilleur pour la santé. Bon, les Medipacks, qu'est-ce que je peux dire? Il y a tout pour survivre dans une valise orange très stylée. Voilà ton avance sur salaire pour ce mois. T'es payé en balles militaires. Tu peux bien sûr les utiliser comme munitions classiques pour faire plus de dégâts. Ouais, mais j'ai compris ça à la fin du premier épisode. Mais il peut être économisé pour acheter des armes, des accessoires, des munitions standards et du matériel auprès des marchands de tout le métro. À vous les flingues surtout en fait. Passons aux choses sérieuses. On va te trouver des plaintes. Prends ce que tu veux et scellez sur le chantier. Les Rangers portent en général trois armes. À toi de voir celle dont tu veux t'équiper. À la cage, je vais dire. Si j'aime bien. On va rester sur le classique. La calache. Ah, bon choix. La calache, c'est une alliée fidèle dans l'arsenal. Je sais pas si le flingue est bien en souci. Assure-toi de loin de ta cible avec ça. Les fusils, c'est bien pour les cibles éloignées. Mais il vaut mieux éviter d'être surpris par l'ennemi avec ça. Oui, bah c'est mieux ça. Je peux tout personnaliser déjà. Attends, juste faire personnaliser ce truc-là. Ça c'est quoi? On peut mettre un silencieux sur le pont. C'est surtout ça en fait. Hein. On va faire un petit canon étendu. Et une petite queue, pourquoi pas, c'est cool. Ouais, pourquoi je peux pas faire les deux? Ouais, là. Ouais. Ça y est, ça commence, la jouabilité et les trucs, c'est pas ouf quoi. Ok. La main de gueule. Non, je pense que je vais la garder en mode dégâts quand même. Je vais pas mettre. Non. On va mettre le silencieux. Allez, Arthur, va sur mon champ de tir pour essayer ses frères. Reviens si tu veux tester contre. Et Arthur, distrais-moi un peu. Et fais le reste des armes que t'as choisies. Essaye de viser le centre de la poitrine du mannequin fort. Faut tirer fort. Tire sur le mannequin. Tu vois la différence? Il va falloir plus de balles pour pénétrer ce blindage. Essaye pour savoir si tu tires sur lui qui a une armure. Essaye de tirer dans la tête. Ça, c'est un tir fatal. Tu vois la différence? Voilà, ça, c'est les bases. Tu peux continuer à t'entraîner si tu veux. Non, tu vas au briefing de mêlée. On va changer, mais il est moins long que le premier. Ça, je vais kiffer par contre. C'est dommage que le viseur soit pas ultra précis. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut.
Qu'est-ce que c'est que ça, là? Je pense que je vais jeûner, ça a l'air dégueulasse. Il va y avoir une grande assemblée. Salut. Putain, Zip. Laisse-moi cloper en paix. Snap top. D'accord. J'étais en faction dans la salle de Crézière et j'ai entendu un truc. On dirait qu'il y a du grabuge qui se prépare. Les rochers l'obéissent. Salut. Tu es Nix. Fais pas attention à ce clone, Alex. Salut, Ken. Ouvre les portes. T'as entendu pour les Snakes? De quoi tu parles? Demande au garde du laboratoire. Ah merde! Qu'est-ce qu'il a fait? Et pas le traçante, ça. Parfait, allons-y. Les tombes des anciens rois étaient remplies de tout le nécessaire pour le monde-là. Des armes, de l'or, des chariots. Ils sacrifiaient leurs épouses et leurs esclaves qu'ils laissèrent dans la mort. Là, pour ceux qui ont regardé, on est toujours dans le D6. Hein. Donc c'est la, le gros silo de missiles. Dans D6, ça ressemble à ce qu'un guerrier prenait avec lui pour vivre au Nouvelle-Là. De l'acier, des étalons sauvages et des trésors incroyables. Bien sûr, les pillards périssaient d'une mort atroce. Tués par des démons, des fantômes, leur avarice. Gal, tu vas la fermer, ouais. On n'était pas dans D6. Peut-être dans A. Il paraît que Lesnitsky a fait quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne le sait. Lesnitsky était dans le labo. Quand la relève est arrivée, la porte était ouverte et le labo dévasté. Lesnitsky avait disparu. Merde. Alors, y'a quoi dedans? Des armes chimiques, peut-être d'autres saloperies. C'est tout ce que je sais. Bordel de merde. Le colonel va me massacrer à cause de Lesnitsky. Il va littéralement m'arracher le cœur. Enfin, ce qu'il en reste. Un peu long, parfait. Hein. D'accord. Je vais même pas courir. On pourrait contrôler T6. Mais c'est comme une putain de ville ici. Avec tous les bunkers, les petits recoins et les issues. Mais bon, c'est une base que l'ordre rêvait de trouver. Je vais peut-être faire ça pour un screenshot. Je trouve ça marche. Ouais. Les gars viennent juste de revenir du cercle. Ils disent que Hansa renforce les effectifs. Toujours un casque cool. Surtout à proximité des fachos. Je viens de quitter une réunion. Deux équipes d'assaut. Ah oui, c'est toujours la guerre facho communiste. Pourquoi on changer. Nous a fait venir? Il paraît que les rouges se mobilisent. Hansa aussi, peut-être. Comment? On raconte que les rouges envoient leurs. Herman, amène ces gars à Melnik. Melnik a ordonné que tous nos hommes se rassemblent sur cette base. Parfait. Je veux bien prendre ça, c'est des grenades. Écoutons ce qu'il a à dire à cette assemblée. Parti, je parlerai à Melnik. J'ai un mauvais pressentiment. Vous vous souvenez de ce qu'a dit Melnik quand on a tombé les 6? Avec ses trésors, avec ses armes. Viendra des armes. Allez, entrez. Le colonel n'est pas d'état. Ça sera des mutants. Et voilà. Ouais, connard, c'est toi qui labours tout le temps. Là. Il faut t'attendre et tout. Le bombardement des sombres est sûrement la pire erreur de l'humanité. Et voilà. Et s'il ne voulait pas de mal, mais qu'il tentait de communiquer, peut-être que la forte douleur et la perte de conscience engendrée par leur présence voulaient dire qu'on était incompatibles. On est juste des machines différentes. Mais étrangement, Artyom, tu as les mêmes circuits que. Tu as un lien avec les sombres. Oui, des gens sont morts à VDNKH, ta station d'origine. Hunter, le meilleur de l'ordre, est sûrement mort aussi. Et il t'a appris ceci. Si on ne se bat pas pour nos vies dans ce nouveau monde, on sera dévoré. C'est la loi d'évolution. Mais à mon avis, les vieilles lois ne s'appliquent plus. La sélection naturelle. Ça ressemble toujours au truc de genre de lancement de station orbitale de. De mes couilles, parce que mes couilles sont en orbite. Artyom, et toi, Khan, vous avez quelque chose à signaler? Oui, non, chef. Ah, c'est essayons bien. De faire bref. J'ai localisé un sombre en vie dans les jardins. Quoi? Un de ces trucs vit encore? Par chance, oui. Par chance? Khan, c'est de la folie pure. Les sombres représentaient la plus grosse menace pour l'ordre. Colonel, laissez-moi une chance. Un sombre seul est inoffensif. Le mec, il est obligé de se mettre. Artyom a un don. Je crois qu'il a établi un contact avec cette créature. Oh, c'est pas de ma faute. Laissez-le venir avec moi. D'accord. Il est pas plus écarté. Artyom, va au jardin avec Khan et localisez le sombre. J'enverrai un sniper avec vous. Un de mes meilleurs. Anna? Oui, monsieur. Oh putain.
À quoi servira un sniper ? À éliminer la créature et finir le travail de l'ordre. Melnik, c'est pas... C'est un meurtre ! Arrêtez-le ! Pauvre idiot, vous refaites la même erreur ! On en a terminé. Escortez Khan hors d'ici. J'adore cette démocratie. Artyom, c'est ta dernière chance de te racheter. De dire adieu à tes cauchemars. Oublie Khan. On dirait qu'il a approché de trop près la créature et qu'il a perdu l'esprit. Écoute-moi, Artyom. Termine la mission et reviens vite ici. La guerre approche et j'aurai besoin de tous les Rangers à leur poste. A plus tard. Alors, qu'est-ce que t'attends ? Viens donc, mon lapin. Oh, toi, tu veux commencer par fermer ta gueule ? Artyom, si c'est vrai que les sombres te repèrent, tu peux le faire sortir de sa cachette pour qu'Anna ait une bonne cible. Mais sois gentil. Ne laisse pas le sombre lire dans ton esprit ou Anna aura deux cibles à tuer. C'est bien compris. Je suis hyper curieux de savoir comment ça se serait passé si j'avais pris l'autre fin, quand même. Je voulais lire. Je dois faire ce que Hunter m'a demandé, ce que Melnik m'a ordonné, ce qu'Anna attend de moi. Je dois leur prouver à tous que je mérite d'être l'un d'entre eux, d'être l'un des combattants de l'ordre, de consacrer ma vie à la protection de l'humanité, à la protection du métro. Cette mission est faite pour moi, je suis le seul être insensible à l'influence des sombres. Je suis peut-être né pour en débarrasser les hommes une fois pour toutes. Je suis à présent à deux doigts de réussir cette tâche. Alors pourquoi suis-je aussi mal ? Toujours le même dilemme en fait qui existait. On tue ou on ne tue pas quoi. Peut-être qu'effectivement il ne voulait pas de mal. Dis pas que tu crois à ces conneries de paix avec les sombres. Bah si, connasse. J'aurais bien aimé être dans la tour moi-même pour voir les missiles s'abattre et les cramer dans leur nid. Ça t'excite. Allez, mon lapin. Tu laisserais vraiment ces trucs entrer dans le métro pour qu'ils s'immiscent dans nos têtes et nous utilisent comme des pantins ? On devrait s'accoupler avec eux ? Pour que les gosses vivent à la surface et se nourrissent de radiation ? Tu veux t'accoupler, c'est ça ? On marchande pas avec le diable. Oui, oui. Éloignez-vous de la bordure du quai. Le train arrive. Mind the gap in the step. Je sais plus comment c'est dans le pari-là. Si je voulais rentrer là, moi. Bonjour, bienvenue sur la ligne 14. Bon, on a assez campé ici. On y va. Il y a un an, j'étais en haut de la tour de télévision à regarder les missiles tomber sur les jardins botaniques. Putain, mais si j'avais fait l'inverse, quand ça se fait. Et faire fondre le métal et le verre. Ah, j'ai le doute. Rien ni personne n'aurait pu survivre à cet enfer. Et pourtant, Khan y a trouvé un sombre. Ma mission est maintenant de l'éliminer. De finir ce que j'ai commencé. Allez. Toujours finir ce qu'on commence. Même si on regrette. Petite parole philosophique. Par contre, le viseur est vraiment merdique, quoi. J'espère qu'il y en a d'autres, parce que... Avant, les trains étaient des trucs ordinaires. Maintenant, ce monorail a l'air magique, pas vrai ? Nos gamins sauront pas les faire fonctionner. Et leurs enfants penseront que ça a été fait par les dieux. Putain, je suis tellement d'accord avec toi, meuf. Les gens d'aujourd'hui ne sauraient pas fonctionner à l'époque. La preuve, les pyramides. Il est profond, celui-là. Il est où le petit mendiant qui joue de la guitare pour avoir un centime ? C'est pas un vrai métro, ça. Je vais essayer d'alimenter le système et de mettre les lumières. Utilisez vos lampes pendant ce temps. Ouais, ce serait mieux quand même. Bon, t'es prêt ? Faites attention, les portes fermées. Bonne forme, les couilles. Ouais, il va nous en falloir. Tu n'as pas pris le bon oreille avec les fers pour aller balancer les missiles sur le nid des sons ? Du vol aussi pendant cette mission. Arrête de regarder partout, connasse, tu vois bien qu'il y a personne, putain, avance. Ouh. Le jeu est moins... Le courant marche. Ouvre la porte. Je couvre le passage. Ils ont fait que ça bouge un petit peu quand on avance. C'est plus tout droit, machin et tout. Super. L'autre, c'était vraiment tout droit. Là, il y a une sensation de mouvement avec l'oscillation de l'arme. Bon, c'est quand même très très linéaire, hein. On n'est pas sur... C'est bon, on y va. Enfin non, ça va quand même, c'est pas si ouf.
T'as de beaux yeux, tu sais. Alors. Ouais, bah je vais quand même aller regarder à gauche et tu vas fermer ta gueule. D'accord. D'accord. Moi, quand on me dit va là-bas, eh ben, je vais de l'autre côté. C'est sympa ce petit cimetière improvisé. Je kiffe l'ambiance. Ah, j'espère. Si jamais ça lag, persistez. Je ferai des réglages pour la deuxième vidéo. Parce que je me rends compte que peut-être que ça saccade un petit peu. Merde, ce truc est rapide. T'as pas eu le temps de l'avoir, hein. Noob. Je pense pas qu'on risque grand chose ici. Super. L'échelle. Faut encore marcher un peu. Non, moi je vais aller là. Ah, il y a des araignées. Ah, j'aime pas ça. Tu vois qu'il fallait aller là. Mais peut-être que les sondes ne sont pas la raison de tout cela. On vit des heures troublées. Tout l'ordre bourdonne comme une ruche. Il est écrit pour protéger le métro des dangers, mais il a par accident engendré une nouvelle menace. Quand on est entré dans les tunnels de la base militaire secrète des 6 et qu'on a trouvé le vaste entrepôt scellé, on a cru avoir sauvé l'humanité. Avec les réserves de nourriture et l'équipement médical qui s'y trouvaient, et le réacteur en état de marche, on avait de quoi tous survivre indéfiniment, et de quoi attendre le jour où les radiations à la surface diminueraient. Ça met longtemps quand même, les radiations. Diminueraient, pardon, assez pour nous permettre d'y retourner et de nous réapproprier la Terre. D'accord. Ça fait quand même se poser plein de réflexions en période de confinement avec le corona, avec l'incendie à Tchernobyl, tout ça. La surface. Mets ton masque. Alors là, il est pas cassé. Donc, c'est pareil, c'est un truc que j'avais jamais compris dans le premier. Des fois, il se cassait, mais je pouvais pas le changer. Arrête de mater mon cul. C'est ce que j'allais dire. Il y a aucune chance que tu l'aies, mon lapin. Mon petit boule. Je ne le dirai jamais. Donne-moi un coup de main. C'est toujours aussi pourri ici. Par contre, c'est beau. Hein. Allons à l'entrée principale. Je sais pas comment on trouve ça. Dites-moi dans les commentaires. Putain, je couvrir beaucoup de terrain. Joli, ça. T'es censé être immunisé contre leur influence, c'est ça? Moi, je suis une fille normale, alors je peux pas y aller. Avance et cherche la créature. Je crois que si les sombres t'apprécient tellement, Le sombre est magnifique. L'immersion. C'est tout con, hein, mais les petites gouttelettes là. Et si jamais t'es pris de remords, t'en fais pas, je le ferai. Putain, les conneries, genre essuyer son masque et tout. Vraiment, l'immersion dans le jeu est super cool, je trouve. C'est creepy, chef. Il n'y a pas des gens qui aiment pas les trous. Il y a une maladie comme ça, les phobies des trous. C'est vrai que c'est un peu malaisant à regarder trop longtemps. J'ai repéré du mouvement. Prépare-toi. Sur la droite. Ah oui. Encore trois. Allons-y. Regarde, il y en a d'autres dans les roseaux.
pas son mode de jeu. Oh, j'adore quand t'as du sang qui coule sur le bordel. Comment tu vas? Ça va, hey, Imhotep, wesh. Tout va bien? Et Artyom, t'as fait du bon boulot. C'est mieux qu'un lapin après. Ok, à gauche, il y a un chemin. Ça y est, tu me kiffes. Je prends l'île à gauche, je vais à droite. Là. Ah, si je vais là, je pourrais pas avancer, je pense. Déjà. Par contre là ça dure pas longtemps les masques. Dans l'autre ça durait plus longtemps. Et ça change le filtre automatiquement. C'est quoi ça? C'est des langoustines radioactives du futur. Ouais, ça mange les os. Pour faire disparaître un corps, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Pauvre Pity. J'ai pas envie de faire ça. Fred là, va te regarder. Je le vois. Tu vas crever, sale petit bébé. Poursuis-le, Artyom. Y'a pas d'issue. Ah, j'ai des frissons dans les jambes et tout. Mais faut que je le bute ou quoi? Viens. Mais viens. Barre-toi, cache-toi. Reste pas là. Mais non. Vite, va te cacher. Reste là. Ça, c'est la fin du premier opus. En haut de la tour là et on va lancer 3 missiles nucléaires sur le bordel. En fait on a tué l'humanité. L'humanité qui n'est pas l'humanité mais... psychologique ce jeu là. Ok, j'ai fermé ma gueule. Ah, c'est les nazis. Enfin, les pseudo-nazis. La créature que j'ai rencontrée dans les vestiges brûlés des jardins ressemblait à un sombre. Elle a pu pénétrer mon esprit et en tirer le plus intime. Mais ce n'était qu'un enfant. Et je suis sûr qu'elle m'a reconnu. Et qu'elle a eu peur. Elle m'a aussi laissé KO un moment. Juste assez pour que je me fasse capturer. Herr Führer, ces prisonniers ont été capturés. Ah, si, c'est bien les nazis. On pense qu'ils cherchaient quelque chose. Yeah. Ces deux-là sont des rouges. Ils refusent de parler. Le putain, on est des pourritures de communistes. Non. On a attrapé un mutant près d'eux, un monstre de la taille d'un enfant. Il a aussi été livré au Reich. Je verrai ça plus tard. Et celui-là? Mutation suspectée. Non, je suis normal. Vous voyez deux bras, deux jambes, 10 doigts. Vous comprenez pas? Je suis un citoyen de Hansa. La ferme! Vous n'êtes pas un Hansa. Vous êtes soupçonné de la distribution de gènes endommagés et ceci est votre procès. Si votre crâne a les bonnes proportions, vous pourrez partir. C'est dégueulasse. Sinon, vous êtes une abomination. C'est scientifique. C'est un scandale! Je vous ai dit de ne pas bouger! Alors? Voyons. 318 mm par... 302. Ah, vérifions dans le tableau. Comment ils schématisent les nazis. Vous êtes un mutant.
Dans le vide d'ordure, une petite question. Ça le mérite. C'était quoi ta mission dans les jardins? Va te faire foutre, sale facho. Je vais compter jusqu'à 3. 1. Il ressemble à un pote le mec, physiquement. 3. Putain de fanatique. Je vais parler, mais aussi bien les uns que les autres. D'accord. Ils vont me tuer s'ils s'entendent. D'accord. Amenez celui-là à la deuxième unité. En général, le Reich ne se mêle pas des affaires de l'ordre. Mais voilà qu'on chope des rouges et un monstre. Tous dans le même panier. Ça me plaît pas. Alors parle ou je te mets une balle dans la tête. Tuez l'officier! Tue-toi! Comment ça? Pourquoi quoi? Je l'aime bien, mon pote, là. Tiens, prends le couteau. Garde-le. Alors, t'es de l'ordre de Sparte? Je suis de la ligne rouge. Nos supérieurs ne sont pas entrés en terme. Mais bon, on s'en fout, peu importe. T'es trop beau. Entre soldats, on s'entraide. Allez, je vois. Là. Très bien. Génial. Un petit couteau. Un verrou télécommandé. Tout une fait, chose est sûre. Notre seule chance de sortir de là vivant, c'est de s'entraider. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils ont dit sur le vide d'ordure? Bon, c'était la parenthèse du couteau. Allez, ouvre-moi ça, pote. Y'a pas d'autre. On fait pipi, on fait quoi? Putain, le survêt. Allez, je veux le même, mon gars. Et après, on pourra partir chacun de notre côté. Un vrai survêt de Romain. Mais c'est lui qui devait être dans le métro, en fait. Ah bah y'a quelques cadavres. Bien. Très bien. Tu vois les tuyaux? Voici leur plan de secours. En cas d'émeute ou d'évasion, il leur suffit d'ouvrir la valve et la prison se transforme en chambre à gaz géante. La vache. On peut dire que leurs prédécesseurs les inspirent. Chut. On ira dès que le monde charge sera parti. On y va. C'est gore, hein. Bordel, c'est pas vrai. J'avais entendu dire qu'il y avait un camp de concentration ici. Mais le voir de mes propres yeux, saloperie. Il y a un tunnel de l'autre côté. Bon, je mène et tu suis. Allez, fais pas de bruit ou ils vont gazer tout le monde. Tiens, voyons un peu ça. On y va. Évite la lumière et reste bien dans l'ombre. C'est ta meilleure amie. Ça, j'avais compris. Ok, c'est parfait. On dirait qu'on a réussi. Voyons voir. Alors, une grille. Oh, une grille. Du métal soudé sous forme de carré. Chance. Ça bouge pas d'un poil. Bon, on peut pas passer par ici, c'est certain. Du coup, je suis là pour un rien, quoi. Bon, où est-ce qu'on va maintenant? Ici. Hé hey. Oh, aide-moi un peu, tu veux? Bah, tu veux que je fasse quoi? Oh, oh, c'est un Yamakasi. Ah, j'avais pas vu l'échelle. Et toi, tu m'aides pas par contre, enculé. Ça va où ça? Monte par ici. Ah, cool. La jouabilité est quand même meilleure que dans le premier. Voyons voir. Bon, écoute, dis-toi que t'es une petite souris. Descends et fais pas de gestes brusques. Allons-y doucement. D'accord? Tu peux te blesser, les gens. Stop! On va sauver des vies innocentes en le fusillant. Non, on va pas le fusiller. Mais plus quand il avait une arme, l'autre il avait pas d'arme, si? Il avait pas juste un flingue? Le fureur a dit que le fusil, c'est trop bien. Bouge! Il mérite juste d'être pendu. En plus. Tu sais quoi? Je suis pas tout à fait d'accord avec le fureur. Le fureur est infaillible. Bien sûr, mais un pendu, ça se vide les intestins et après. Bon, nettoyer. Tu prends celui de droite et moi celui de gauche. Je vais l'occuper et toi tu descends le tien. Verstehen, vas-y, mais pas de précipitation, pigé. C'est parti. Hey, j'ai vu ce qui se passe. Vous avez de la chance. J'ai eu peur qu'il parte. Allez où là? Hey, vous m'entendez? Il y a un levier. Il libère l'échelle.
plus possible. On est fichus de toute façon. Ouais, mais avec quoi? Ouvrez les cellules, d'accord? Les commandes sont là-haut, dans la salle de garde. Vous allez vous plaît. Réussir à tous nous faire tuer. Oui. C'est bon, dévisse l'ampoule. Je peux pas y aller, il va me voir lui. Alerte ! Évasion ! Pourquoi nous ? Allez ! Bon, j'ai dit que c'était plus jouable. J'ai pas dit que j'étais moins débile. Bon, tu prends celui de droite et moi celui de gauche. Je vais l'occuper et toi tu descends le tien. Versteon, vas-y, mais pas de précipitation, pigé. C'est parti. J'ai une idée. On le bat mort avec une pelle. C'est efficace et élégant. T'as entendu? Il y a pas mal, j'avais pas vu. J'ai eu peur qu'il balance tout. Hey, ouais. Vous m'entendez? Tiens, un levier. Il libère les chiens. Je pense qu'il faut que mon pote bute l'autre d'abord. Parce que là, la lumière, elle vient d'où en fait? Lui, il trafique le truc. Voilà. Comme si on allait en gaz. Alerte ! Et va ! Quoi ? Ah non ! La tarasse, on va pas commencer sans grand chose. Il m'a pas vu le mec. Tu pourras peut-être monter. On se retrouve en haut. Hé ! Spartiate ! Bonne chance ! Pitié ! N'importe quoi ! Comme si on allait en gâcher. Hé hey, mon gars, ouvrez les cellules. Il y a un panneau dans la salle. Comment ça, tu l'as libéré? Dans la salle, c'est ça, ou quoi? Je sais pas. Je l'ai regardé. Et j'ai eu l'impression de voir mon fils. Ah. Et ce marchand de Hanza. Ah, mec, il arrêtait pas de me harceler pour que je là, la c'est créature. Tout rouillé, mec, ça va tomber. Il disait que ça serait du gâchis de la battre, qui me paierait bien. Alors, ben, moi j'ai... Montre-moi les balles. Ok, écoute, je suis prêt à partager. Ça fait trop pour moi tout seul. Mais n'en parle pas à l'Oberscharführer. J'ai pu me faire 200 balles. Je veux la moitié. Tiens, tiens, qu'est-ce que vous faites par ici? Eh ben, notre garde est terminée. Alors vous n'avez plus rien à faire ici. Retournez au campement. Oui, et Oberscharführer. D'accord, ils sont en train de vous lancer le couteau en fait. Peut-être si j'ai pas chopé le tétanos, celle-là. Appuyons sur C. Ah ça par contre c'est pas cool parce que... Non, en fait. Oh non 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 non. Quoi? Il les lance tout de suite, quoi. C'est nul. J'ai oublié de merde. Quoi. Manque de sommeil me fait délirer. Il y a des trucs là. Les jardins botaniques ont toujours été un lieu désert et mortel. Les stalkers. Alors, les jeux qu'on fait métro, en fait, c'est. Les gens, pardon, qu'on fait métro, c'est ceux qu'on fait stalker. Évitez même. Avant que les stalkers pardon, les évitaient même avant que les zombies construisent leur ruche ou leur ville. J'étais la seule personne au monde à accepter de m'y rendre sans broncher, mais cette fois, les stalkers du Reich s'y trouvaient aussi. Ces fanatiques de la race pure ne quittent presque jamais leur station de centre-ville. Que cherchent-ils dans les centres brûlants des jardins? Et pourquoi Anna ne m'a pas aidé? La fille de Menik n'abandonnerait jamais un camarade, et s'il l'avait capturé aussi. Elle est un peu vulgaire, mais je crois... qu'elle me déteste car je ne ressemble pas à Hunter, mais je m'inquiète pour elle. Moi, je suis sûr que c'est une putain de vendue de salope en fait.
balles. Ta gueule. Alors, si vous entendent. Ta gueule. Vous êtes doués, mais faites attention. Si vous voir, on sera tous gazés. Hein? Je vois pas où il est en fait. Super, t'as réussi. Ah, c'est génial. T'es un vrai héros. Maintenant, il faut qu'ils ouvrent le sas de l'autre côté. Il y avait pas un. Sur le mur est un interphone. Vas-y. Allez, après. Plante-toi. Bordel, j'ouvrirai pas la prochaine fois. C'est même pas marrant. T'as raison, on va jouer à cache-cache maintenant. Comme des gosses. Vite ! J'en pourrais plus d'attendre. Pourquoi ça fait chier ? Je préférerais qu'il nous abatte. Non, il y a que dalle. On va pas tenir jusqu'à l'exécution. Les gars ! Comment faire ? Entre dans le sas ! Allez ! Non, je prends le couteau. Vous pouvez ouvrir toutes les cellules. Je peux plus rester ici. Pitié. C'est où pas l'autre commande? Attends, attends, ta gueule. Il est où le panneau de commande? Et comment il est censé faire? Le panneau de verrouillage est là-haut, dans la salle des gardes. Réfléchis. Alors, attends. Là-haut, dans la salle des gardes. Est-ce que là, je peux y aller? Ouais. On est sorti du bloc intérieur et la fête commence à peine. Merde! Non, merde, j'aurais dû aller avec lui. Tiens, prends ça. Chouette montre. Ah, le petit indicateur bleu. Il s'allume quand t'es visible, hein? C'est bon. Il y a sûrement d'autres gardes plus loin. Fais chier, je veux revenir. On va pouvoir se détendre. Ah, je voudrais bien une grenade. Mais bon, on pourra passer la fête. Allons-y, mon cher. Passe par le bas. Attends. Je peux ou pas? Non, putain, fais chier, j'aurais dû refaire. Bordel! Ils sont beaucoup là. Ah là, je peux le rouvrir. J'ai le droit de recommencer le truc pour pouvoir savoir si je pouvais les libérer ou pas. Ta gueule. En vrai, ta gueule. Avant la fuite de la prison facho, je sais pas, pourrait s'intituler L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Vous avez vu ma super tasse? Cet ami, c'est Pavel. Un vieux Il dirigeait une équipe de reconnaissance
éliminé par les fachos. Je n'ai jamais été fan des communistes, mais Pavel s'est comporté en vrai. Je sais ce que je vais faire. Il manque 10 minutes, mais là j'aime bien un petit peu de signe et tout, machin. Donc, je vais couper là. Et puis bah restez connectés parce que je continue bien. Ça va bien ? Ciao.